les autres bandits à faire dans le pays, après tout dérespectant dans figure la police, après tout, eh bien, taille, bandit à taille mandat, en bas de la police, jodi a, PNH la décidé de mettre pied à terre et nous fait un pile gros travail que nous portons vidéo pour là, nous portons, eh bien, tout détail pour sous bilan la police qui baille avec un bon résultat, selon ça, un pile monde estimé, eh bien, un pile bandit tombé en bas code, un pile zam saisi, nous parlons fort des déclarations porte-parole la police là qui s'est garé dérosé avec, eh bien, DGPNH là qui c'est et Frantz Elbé. Mesdames et messieurs, en pile monde t'a critiqué Frantz Elbé parce que yo pas de courir et qui ça la police a mené, et bien je dis à la guerre en pile l'autre monde tout qui bat bravo par rapport avec un bilan ça qui baille, et bien une belle satisfaction avec population qui eux même t'attendent ça longtemps. Non mais la police malgré ça, et bien 400 maozo continuer à faire des ordres dans quoi des bouquins chez méchant, continuer à faire salver dans quoi des missions. Et bien vite l'homme même dans ton sel bagaille, c'est tête chargée, la police lève pied, la police frappe fort, bandit prend diarrhée, bandit gagne qu'à sauter, un pile nègre là déjà, et bien c'est un d'un caillou pralité parce que PNH l'a décidé, faut que vous mettez fin avec des autres ça qu'a fait depuis passé quelques années en bas mes bandits. Mesdames et messieurs, pas oublier sous fait connecter sur canal ça, et bien ou sous TV la caille canal Paola, et c'est tout avec même plaisir à chaque fois nous rejoignons pour nous porter une nouvelle vidéo pour vous sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti, dossier insécurité. Mesdames et messieurs, en dans vidéo ça, et bien nous porter toute réponse à question yo. Pas oublier abonner avec canal la, partager vidéo, surtout quitter un like n'ap tourner. Voilà, et ça c'est moto avec une machine que la police yo récupéré et que on prend et dans mes bandits. Voilà, zone internet. On nous suit ensemble. Comment ça va? Voilà. Et tout ça, ces machines que la police nationale d'Haïti même, yo prend et dans mes bandits. Pas oublier, abonner avec Zintiker. Ça c'est diverses machines que la police nationale a récupéré dans les bandits. Là, on a permis de vivre. Et toute machine que la police a même avec moto qui a récupéré dans les bandits. Nous avons traversé, mais pas touché le véhicule. Voilà. Moi je viens de la vie et la vie. Moi je viens de la vie. Voilà. Et ça c'est diverses machines que la police nationale a même récupéré dans les bandits. Là on a permis de vivre. Et toute machine que la police a même avec moto qui a récupéré dans mes bandits. Nous avons traversé, mais pas touché le véhicule. Voilà. match. Si l'espace est fait, très rapide parce que les arrières régulés. Nous trois pétables là. Ok, c'est fini. Merci. Vous donnez ma place. C'est le pour journaliste, ok? Ah, ça, je m'appelle. Nous sommes finis. Après, ça appelle. Vous voyez? Avec vous, le policier, la poignée. Non, je suis instructeur au bal. Merci, madame. Qui va parler avec la presse, qui va parler tout avec la population. Sous bilan. Premier 6 mois. Également, perspective d'avenir à court et à moyen terme. Et après l'intervention du GIA, journalistes a bien possibilité de poser des GIA quelques questions. Merci, monsieur le commandant en chef. Je salue tous les journalistes qui sont là avec nous aujourd'hui. Je salue la population qui attend nous à travers les médias. Je salue nous tous. Aujourd'hui, nous estimons qu'il est extrêmement important pour que nous parlions avec la population. Après 6 mois, le gouvernement a une responsabilité envers la population. Donc c'est un devoir pour que aujourd'hui nous venions dire qui a la police là marché, qui a la police là à quoi bandit. Il est important pour que nous parlions à la population aujourd'hui. Comme nous connaissons, moi, je prends commandement la police là, 21 octobre 2021. Là, un moment qui est extrêmement difficile. Côté que la situation politique pays a été agitée. Côté que la police là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un problème. Les policiers démoralisés. Il y a une cassure entre le commandement et la base de la police là. Qui vient de nous création de syndicats, qui vient de nous devant le mouvement 509. C'était un moment extrêmement difficile. Nous devons prendre responsabilité. Et rapidement, il y a des mesures que nous devons prendre. Premièrement, nous monter au nouveau commandement. Au nouveau commandement. Et à partir de là, il y a un ensemble de rencontres que nous faisons, on rencontre de visites que nous faisons à travers la direction départementale, le commissariat, les unités spécialisées. Donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allions parler avec les policiers, sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversées. Et reconnaître que la frustration est légitime. Mais comme nous avons une situation spéciale, nous demandons aux policiers pour faire un dépassement de soi. Mettez de côté les frustrations que nous avons, mais en nous faisant seuls, en la police là, pour nous mettre contre les bandits et changer la trajectoire, la situation de sécurité pays à traverser. Rapidement, les policiers répondent. Ils ne pas seulement répondre dans la bouche, mais ils répondent à travers les actes qu'ils ont fait dans la rue. Les gens ont engagé dans la rue. Et grâce à la mobilisation, grâce à la motivation au niveau base de la police, grâce à l'unité qui gagne en dans le commandement, grâce à l'unité qui est dans la police, la côté base de la police, ça fait un seul avec le gouvernement pour nous commettre contre sécurité. Ça permet que qu'il y ait un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et latrie. Nous arrivons saisis en bateau. Dans le cadre de lutte contre drogue, 25 kg de cocaïne nous saisis. 658 kg de marijuana. Nous saisis pendant 6 mois 234 arafus. Nous avons la possibilité d'exposer plus de 150 là, que nous avons la possibilité pour nous regarder. C'est des armes que nous saisissons au cours d'opérations que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposées là, mais en grande partie, nous exposons que nous allons garder. Malheureusement, au cours de l'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement en cas d'échange avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, que des volets que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisissons l'argent tout. Nous saisissons 78 520 dollars américains. Nous saisissons 34 220 575 gouttes. Et ensemble d'opérations ça va venir réaliser permettent que dans le mois d'avril là, nous ayons une baisse considérable dans le cas de kidnapping dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Il y a des petits progrès faits. Ville de province sous contrôle. Zone métropolitaine en a besoin chaque jour contre bandit. Et nous prenons responsabilité nous pour continuer tout ça. Nous avons fait un petit passé spécialement sous dernier incident qui vivait au niveau plein du public. 24 avril, 2 groupes gangs à la Fontaine. Rapidement, la police déployée et prend contrôle de zone. Échange de tir fait, 54 arrestations faites, 16 armes saisies et il y a plusieurs bandits malheureusement qui blessés mortellement. Nous confisquons 7 véhicules à plusieurs motos. Nous gagnons 3 policiers qui blessés. Mais grâce à Dieu, c'est des blessés qui ne sont pas graves. Au niveau du commandement, nous réfléchissons et nous travaillons chaque jour pour que nous puissions améliorer les conditions de travail policier. Et grâce à l'appui du gouvernement et partenaires que nous avons sur le plan international, aidez-nous à commencer le processus de renforcement de la capacité opérationnelle de la police. La formation continue avec dotation d'équipements spécial pour unités spécialisées, pour brigades d'intervention dans le commissariat et tous les policiers à l'échelle nationale. Dans l'espace de travail policier, nous commençons le travail pour que nous améliorions les conditions de travail. C'est ça qui fait que 19 lieux de police qui réhabilitent dans la période que nous avons. Nous avons 3 qui réhabilitent dans le Cadence, 13 réhabilités dans l'Ouest, 2 unités spécialisées, Boy avec Simon, et puis nous avons une qui fait dans le Nord. Toujours dans le cadre pour nous améliorer les conditions de travail policier. Nous avons monté une commission qui pour réfléchir à une proposition au gouvernement concernant l'indemnisation des policiers blessés, victimes au cours de l'opération, ou du moins ayant droit de policiers qui mourit au cours de l'opération, en cas de service. Nous constatons que les policiers ou victimes sont à la merci de un bon papa directeur général, un bon papa ministre des Finances, un bon papa autorité politique. Donc c'est ça qui fait que la commission s'est montée et fait de réflexion pour que nous ayons un cadre légal qui fixait responsabilité de l'État par rapport à sacrifice et engagement policier après dans la rue. Proposition en fait, travail là, nous remettons proposition au gouvernement et on dit que préalablement, le gouvernement est touché par la situation, donc nous avons un avis favorable. Donc il était au niveau du gouvernement pour que vous mettez de touches dans la proposition que nous faisons, et ensuite publier pour bonheur institution de la police, pour encourager les policiers chaque jour qui risquent la vie dans la guerre. Nous toujours parler et nous toujours encourager la constitution de nos grandes familles policières. Dans ce sens, nous commençons à réfléchir déjà. Pour réflexion comment c'est fait, ensemble de travail comment c'est fait. Nous-mêmes, des autorités que nous commençons à consulter, Conseil national coopératif, qui appelle nous dans le cadre d'élaboration de documents. Nous commençons à rencontrer avec des autorités, gouvernement central, qui promettent nous support technique. Nous espérons par longtemps la police là a bien coopérative par côté parents policiers, policiers qui ont possibilité pour l'acheter, ça a besoin. Tout ça me soit expliqué là, montrer que la police là entre dans le processus pour que nous empruntions voie de développement. Pour que nous ayons une police qui est plus responsable. Une police qui est plus professionnelle, une police qui est apolitique. Nous garantissons, nous comme policiers, nous garantissons que la police n'a pas la solde d'aucun groupe politique, ni aucun secteur de la population. Nous garantissons que les policiers, équipements matériels que nous avons à la disposition, il a prêté uniquement au service population. Nous, notre fois, nous avons un engagement formel pour nous gommer contre le banditisme avec des rigueurs, pendant que nous avons respecté le droit de tout le monde. La police a gommé contre toute qualité bandit, sans distinction. Sans pas besoin qu'on ait dans quel secteur bandit ça a oublié. Tout le monde qui a communiqué chaque jour avec bandit, c'est bandit. Tout le monde qui a payé l'argent, armes, munitions avec bandit, c'est bandit. Chez même bouton, c'est chez même malin. Précaution, pas capable. Les gens qui veulent que vous respectez, d'abord respectez tête. Pas de dire, nous pas de connaître. Pour nous finir, l'acte de population, continuer à croire dans la police, continuer à aider la police là, pour le renforcer, pour le cabanon, puis mon service, chaque jour. Merci à Bill, remerciez-nous le fait que nous l'avons ensemble avec nous. Préoccupation qui vient avec cette question, les mentissants qui pourraient aller 2 ans là depuis. Situation extrêmement préoccupante. Donc, il n'y a pas plus tard que hier soir, il y a plusieurs bus qui tapent sorti, et les organes qui tapent sorti pour après aller dessus, et que monsieur, fait tout le monde descendre, le dépouiller, tout ça qui est sur Il n'a pas fait que sous-commissariat au niveau de Martissant, toujours pas les policiers là-dedans. Maintenant, la population quand même connaît effectivement qui ça la police a fait, est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'officiellement nous avons donné des ordres des Martissants pour Marti à faire la loi seulement. Deuxième partie question concerne les plusieurs antennes avec l'installation de la police qui jusqu'à présent n'a pas les policiers là-dedans. On a parlé de Bouillard, on a parlé de au niveau de l'aviation, on a parlé de tout au niveau de station Gonaïve. La population quand même connaît effectivement est-ce que la police tout, il y a abandonné les zones Saroubaï et Bandit. Il y a l'autre question, tout, il y a la question qui est en avec la situation. Situation côté que les députés Abel Lécoline ont souligné que il y a plus de 50 millions de gouttes qui ont retourné dans la prison publique par rapport à la situation policière qui a abandonné les institutions. Tout en même temps, effectivement, les précisions qui s'acquittent la cause et les policiers ont déserté les institutions. Merci. Merci, Christian. On va commencer par Martissant. Martissant, nous connaissons que c'est un quartier. C'est pas d'entrée plus que 4 départements. Et on grande partie dans le département de l'Ouest. Situation ça a influencé toute activité dans la zone de la sud. Libre circulation. Business influencé. C'est une situation qui préoccupe le gouvernement, la population, la police en général. Nous comprenons que la population a route, il pas qu'à attendre. Et l'impatience, ça a nous justifié. Nous comprenons. Nous tout simplement demandons la population. Prenons la police. Nous avons demandé nos titans tout coûte. Nous connaissons nos relations. Mais nous avons demandé nos titans tout coûte. Pour que la situation remédie. Parce que la police là a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale. Nous croyons pas longtemps la situation ça a résoudre. La mesure que nous prenons, pendant que la police a coupé contre bandits dans la rue, parallèlement à l'inter-institution, il y a des mesures que nous prenons pour assainir l'institution. Nous devons mettre sous pied une commission qui peut permettre de évaluer les ressources personnelles. Grâce à la commission, ça, grâce à rapport la commission, ça produit. Nous retournons dans le ministère des Finances 5622 chèques qui totalisaient 108 998 183 comptes. Rapport ça permettre que nous retournions 1313 cartes de débit réalisées, qui totalisaient 158 310 000 routes, qui fait un total de 267 308 183 routes. Mesure ça permet à l'institution rapidement prendre engagement pour augmenter rapidement le prime de risque pour les policiers dans l'unité spécialisée et brigade d'intervention à travers le pays. Grâce à la commission, ça, rapport commission, ça, nous devons renvoyer 1187 policiers et employés administratifs. Donc, 1013 policiers et 174 employés administratifs. Pour cause abandon, avec l'autre cause. Environnement, sécurité pays. Autrefois, bandits devaient fonctionner avec armes de poing. Il y a une transformation qui vient faite dans les ménages. Dans les moyens qui sont à disposition. Bandits de nos jours, c'est avec armes de longue portée que rien. Étant donné que l'environnement sécurité a changé, transformé, l'institution de la police à tout doit transformer. Sous plan légal, sous plan renforcement de la capacité opérationnelle de l'institution. Et nous avons dit, processus de transformation de la police pour répondre à l'exigence du moment, il est enclenché. C'est ça fait une unité spécialisée, constamment en formation continue. Le gouvernement a peine consenti de débours considérables pour faire acquisition, équipement et matériel pour la police. Nous sûrs et nous espérons que dans un court délai, l'équipement et matériel seront à la disposition de la police. Donc la police là a renforcé, avec l'appui du gouvernement, la police là a renforcé sur le plan opérationnel. Et troisième question. Il n'y a aucun commissariat qui a fonctionné là-dedans. Les zones tour, la saline, en bas la ville là, c'est des zones que nous constatons que l'État remet avec bandits. Et souvent tout, il y a des gens qui disent que c'est des impositions. La police, elle a fait opération, il y a quelques bandits que vous-même ont essayé d'entrer en collaboration avec eux. Qui ça est capable de dire sur l'ensemble du problème ça et des yeux? Surtout les questions du commissariat spécial. Nous connaissons que gagné un ensemble d'incidents qui est arrivé dans 5 zones. Cité Soleil, c'est une madame. Côté que lieu de police était saccagé, pillé. Mais la police n'a pas arrêté pour passer. On a travaillé de façon à ce que, pour que zone, côté population, va vivre normalement, pour que nous intervenions. Ou réoccuper le commissariat et sous-commissariat pour que nous capables de la population service. Nous avons dit une autre fois que la police là a traqué toute qualité bandit, quel que soit le secteur que nous y a. La police n'a pas été pour collaborer à aucun gang. Jamais et jamais de la vie. Responsabilité nous. C'est pour mettre contre gang, vous mettre contre bandit. Chaque jour, il a fait, il a continué de faire. Et nous partimons quatrième. Il y a antenne dans la zone ça, on a dit une présence policière qui est plus ou moins stable, qui est visible par exemple dans la zone église catholique là. On a parlé des zones qui ont plus besoin et nous sommes capables de circuler. Maintenant, vous dites tout, deuxième question, kidnapping dans les fonds baissés, pour gagner 3 000 depuis un reportage sur l'augmentation de la kidnapping. Qui doit comprendre ça nous gagne comme données avec sa population elle-même là-dessus. Moi, je dis clairement, pour le mois d'avril là, il y a une baisse considérable dans le cas kidnapping. Sur 4 données, le mois d'avril là, à donner, moi passé, pour constater. Je souhaite qu'on consulte les statistiques. C'est vrai, dans la première semaine, mois de mai, il y a des cas que nous enregistrons et il y a un pile carton que nous dévions. Hier, au niveau Guadeloupe, nous dévions 4 kidnappings. Nous avons arrêté. Dans la petite population que la police a mobilisée pour garantir la sécurité. Pour que ça va passer dans le plein an, nous avons dit que la police prend sa main rapidement pour éviter que la situation dégénère. Nous avons rassuré la population la pleine, que nous avons renforcé le dispositif de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous sommes beaucoup plus menaçants envers gang en pleine. Il faut l'ordre rétabli, l'ordre commence à rétablir et il faut nous continuer jusqu'à ce que nous prenons contrôle total, pleinement, et résonne en nos pays. Et nous voulons entendre DG. Pardon? Est-ce que nous voulons entendre que nous allons établir dans une série de zones stratégiques La police là est pour devoir pour qu'il y aille vers la population. Donc, nous devons travailler chaque jour pour que nous soyons beaucoup plus représentatifs. À savoir, il faut que nous, au jour le jour, travaillions pour que nous augmentions le lieu de police, pour que nous allions vers la population. Donc, nous travaillons sur ça.